Je suis désolée, je suis en retard. C'est pas grave, je vous attendais. Elles sont allemandes. Il y avait autre chose que je voulais vous demander. McNeil, c'est aussi dur que ce qu'on raconte. T'as eu traqué des merdes, non? C'est quoi ça? T'as traîné tes nouveaux couteaux? Lâche-moi, putain! Toutes ces années là, on en fait quoi? Charles, je suis pas ta copine. Donc on n'a pas à se raconter nos vies. Le scorpion est épouvantable, hein? Moi, je sais que je m'entends pas du tout avec les scorpions. Mais tout le monde le sait ici que tu te fais dégueuler toute la journée! Arrête de m'emmerder, espèce de connasse, va! Mes amis, elle n'arrête pas de me harceler. Ça fait quoi d'embrasser un juif? Ça y est, t'as une paire de poupées à 300 euros, tu crois que t'es arrivée? Regarde comme t'es jalouse. Est-ce que t'as déjà mis mes sous-vêtements? Non. Enfin, si. Une fois. Je roulais pas sous la table, en tout cas. Comment étiez-vous habillée? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Si, Jules. Comment serait-il que les gens te prennent pour moi? Et d'ailleurs, il est très sexy. Ça m'étonne pas, toi t'es une névrosée. Cherche un job, Maggie. Il y a toutes sortes d'activités commerciales dans lesquelles le sexe n'entre pas en ligne de compte. On peut gagner normalement sa vie sans avoir à séduire. Enfin, heureusement, hein, sinon tu crèverais de faim. Eh bien, à ce soir alors.